Bonsoir à tous. Au nom de Laval en transition, je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui s'intéresse à ces citoyens qui se lancent dans la création d'entreprises éco-responsables. L'activité est proposée dans le cadre d'Effet Transition. Je me présente, Roxane Boisvert. Je suis citoyenne lavalloise de Fabreville et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, Marianne Perrault, qui m'assistera pour tout le volet questions citoyennes durant l'activité. Donc, avant de passer à l'activité elle-même et de vous présenter nos invités, Laval en transition est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyangéaga, qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qui est Effet Transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique, que ce soit par de simples gestes que nous pouvons faire individuellement ou par des actions conjointes que nous pouvons faire ensemble collectivement. Effet Transition compte de nombreux partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la transition, soit la Ville de Laval et Desjardins, Caisse d'économie solidaire. Merci à nos partenaires de la webdiffusion, Cinequinox, qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Et finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Aussi, un merci spécial aux élus et amis des citoyens ayant contribué et aidé à la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement créé par les citoyens et pour les citoyens. Vous pourrez trouver une liste exhaustive de tous les partenaires et amis sur le site d'effettransition.ca. On en arrive bientôt au déroulement de l'activité. Mais avant de commencer, j'ai quelques importantes informations à vous transmettre. Donc, cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page regardezmoi.ca dans les archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021. À tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion disponible sur la plateforme regardezmoi.ca. Vous pourrez également contacter Marianne pour tout problème technique. Nous répondrons en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions ne seront pas posées sur une base de premier arrivé, premier servi. Nous tenterons plutôt de poser les questions qui n'auront pas trouvé de réponse au cours de la discussion ou qui seront les plus populaires dans le chat. Marianne sera donc votre voix. C'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit la plus éco-responsable possible. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des invités conférenciers, ainsi que tous les animateurs participants à Effet Transition, le font à titre bénévole. C'est notre première édition. On ne sera pas parfait ce soir, mais on essaye, on apprend et on garde le sourire. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Donc, pour la prochaine heure et demie, nous débuterons avec une brève présentation de nos invités. J'enchaînerai avec quelques questions préparées par mes collègues citoyens bénévoles à l'animation, puis nous terminerons avec les questions des participants à l'écoute. Donc, on commence. Je suis vraiment heureuse d'en arriver à l'activité elle-même et d'avoir la chance de partager avec nos quatre invités aujourd'hui. Donc, nos quatre invités arrivent tous avec de riches expériences du milieu entrepreneurial et ont tous des convictions sociaux et éco-responsables très ancrées. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup ce soir avec eux. Donc, j'aimerais tout d'abord qu'on commence par un tour de table pour que chacun de vous nous résumiez l'histoire de votre entreprise, sa raison d'être et en quoi votre entreprise est-elle porteuse d'impact. Donc, on pourrait commencer avec Amélie Proulx. Donc, Amélie est biologiste de formation. Elle est une des co-directrices générales et co-fondatrice de l'épicerie Zéro Déchet, l'alternative dans le quartier Pont-Vieux. Donc, une épicerie qui ouvrira d'ailleurs ses portes ce printemps. Alors, bonsoir Amélie. Je te laisse la parole pour nous parler de ton entreprise. Oui, parfait. Merci, Roxane. Bien, premièrement, je suis très heureuse d'être ici, là, de pouvoir partager ma petite expérience à moi. Donc, oui, comme tu l'as mentionné, j'ai étudié en biologie, donc j'ai étudié en environnement, en fait, là, donc j'ai beaucoup appris tous les enjeux environnementaux là, qu'on vit, et puis ça m'a amené à beaucoup, beaucoup me questionner sur la façon
d'avoir un impact positif sur l'environnement en tant que citoyenne. J'ai été très, très sensibilisée. Et puis, ce qui m'allume, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est les actions citoyennes concrètes, le changement dans les habitudes de vie qui m'interpellent, qui ont envie d'agir. Donc, c'est grâce à ça que m'est venue l'idée d'ouvrir une épicerie, donc de donner cette opportunité-là aux gens de pouvoir changer peu à peu leurs habitudes de consommation. Donc, moi, pourtant, j'ai pas d'expérience en gestion, en administration. Donc, ça m'est venu vraiment spontanément, cette idée-là d'ouvrir une épicerie. Mais vu que j'avais pas vraiment de bagage, là, d'où j'ai parti, c'est que je suis allée rencontrer les gens qui sont passés par là avant moi. Donc, j'ai rencontré la directrice générale de Loco, qui est la première épicerie zéro déchet à Montréal. Donc, pour qu'elle m'explique un petit peu comment on fait pour ouvrir une épicerie en vrac, là, concrètement. Puis ça m'a amené à faire une formation au Stage Montréal, donc une formation pour monter un plan d'affaires. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire d'affaires, Mathias, qui est le cofondateur de l'épicerie aussi. On avait le même projet en tête, on avait vraiment des valeurs similaires, mais des forces complémentaires. Donc, on a décidé de s'allier, puis de vraiment devenir les deux cofondateurs de l'épicerie. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré le pôle régional d'économie sociale de Laval. Et puis là, on est vraiment tombé en amour avec ce modèle d'affaires-là. Donc, on a décidé qu'Alternative deviendrait une OBNL. Alternative, c'est quoi? Ben, je pense que juste dans son nom, on peut vraiment deviner c'est quoi sa mission. Donc, on se veut vraiment une alternative au mode de consommation actuel en offrant des produits qui ne sont pas emballés, qui sont locaux. Donc, il y a aussi le petit jeu de mots avec la terre native, donc retourner à des pratiques un peu plus éco-responsables, plus naturelles, plus en harmonie avec l'environnement. Alors, concrètement, on va offrir, comme j'ai dit, des produits autant alimentaires que non alimentaires en vrac. Alors, les clients pourront apporter leur propre contenant pour les remplir, la quantité souhaitée. On va aussi avoir un système de pot en consigne, donc le client paie pour une consigne, puis lorsque le pot est vide, juste à le ramener en magasin, nous, on peut le réutiliser à l'infini. On a le but aussi on a une mission d'être accessible financièrement, donc ça, c'est un point qui était très important pour nous dans la création de notre entreprise. Ça revient souvent, on se fait souvent demander, allez-vous être une épicerie bio, allez-vous avoir des produits bio? On va en avoir, mais c'est pas notre priorité pour le moment parce que on avait vraiment ce souci-là là, d'être une épicerie en vrac accessible financièrement. Mais évidemment, selon la demande, là, ça pourrait évoluer avec le temps. Ça va nous faire plaisir de rajouter plus de bio si c'est ça que les gens veulent. On a juste ce souci-là vraiment d'être très accessible là, financièrement. On veut aussi porter un chapeau plus d'éducation, donc en écrivant des articles de blog, en mettant sur pied des ateliers, en donnant beaucoup d'informations aussi sur l'impact des aliments, par exemple. Donc, on a vraiment ce souci-là aussi de pas juste offrir des produits en vrac, d'être plus qu'une épicerie, d'être vraiment un lieu où qu'on peut échanger, qu'on peut repenser nos façons de faire, nos façons de consommer. Puis, je tiens vraiment à souligner que c'est ça va être un lieu qui est non culpabilisant, là. Donc, il y a personne qui est parfait. C'est pas ça le but. J'en fais des déchets. C'est pas ça l'important. Donc, l'important, c'est vraiment de repenser à la façon qu'on consomme, puis d'apporter des petits gestes, de faire des petits gestes différents qui vont tendre vers le zéro déchet, en fait, parce que le zéro déchet n'existe pas. C'est on tend vers ça. Donc, on veut vraiment être un lieu là, à Laval qui va permettre d'avoir des discussions, de repenser collectivement là, ces façons de consommer. Là. Donc, comme tu l'as dit, ça arrive. On va ouvrir au printemps, donc sur le boulevard de la Concorde dans Pont-Viau. Ça a été toute une aventure avec la COVID en plus. C'est dur parfois de voir le bout, mais ça s'en vient. On vous le dit, on travaille très fort. Donc, au courant du printemps, l'alternative, pas au pire, c'est pas. Merci beaucoup, Amélie. J'ai hâte d'aller faire un tour. On va enchaîner avec Myriam Desjutras. Myriam est designer en éco-conception et cofondatrice de l'entreprise La Mine Urbaine à Laval. Donc, bonsoir, Myriam. S'il vous plaît, parle-nous de ton entreprise et de son impact à Laval.
Oui, ben merci Roxane. Pour ma part, en fait, je vais vous expliquer un petit peu en fait d'où ça part là, la mine urbaine. Pourquoi est-ce que c'est ça et qu'est-ce que ça constitue en fait. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on est trois cofondatrices. Donc, il y a Anne-Marie, Geneviève et moi-même. Puis en fait, chacune à travers nos parcours professionnels, académiques, mais aussi personnels. Dans le fond, on en est venu à peu près au même constat face à un type de déchets en particulier qu'on voit notamment souvent sur le bord des rues autour du 1er juillet, les déménagements, tout ça. C'est les objets qui s'appellent les encombrants. Donc, c'est un type de déchets, en fait, qui se retrouve actuellement à l'enfouissement. C'est vraiment facile à la maison de savoir c'est quoi un encombrant. En fait, on est assis dessus en ce moment. C'est une chaise, un bureau, une lampe, un cadre, un pot de fleurs, tous ces objets-là, finalement, pour lesquels il n'existe pas en ce moment de filière là, pour finalement les récupérer de façon responsable. Bien, en fait, nous, c'est à ça qu'on veut répondre. C'est ça, la mine urbaine. Pourquoi mine urbaine, justement, pour faire le pont avec ça? Bien, c'est que ça se trouve finalement dans nos villes, ces déchets-là. Puis nous, on voit là-dedans là, vraiment un gros, gros potentiel de valorisation puis une bonne façon aussi d'aller faire de la fabrication locale. Je vais vous expliquer un petit peu plus après pourquoi, en quoi ça consiste tout ça. Mais avant, dans le fond, je vais parler plus largement là, de la mission qu'on s'est donnée à la mine urbaine. Dans le fond, c'est vraiment un peu pour reprendre ce qu'Amélie disait par rapport à... l'idée de pas être moralisateur par rapport, dans le fond, à la façon de changer nos modes de consommation. Nous, on le constate, surtout avec la COVID, c'est quelque chose qu'on avait déjà toutes les trois vécu puis qu'on voit encore plus en ce moment que c'est beaucoup de poids qui repose sur les épaules des citoyens quand vient le temps de changer leur comportement. Puis un changement de comportement, ça ne s'opère pas non plus très rapidement. Ça prend du temps. Puis pour que ça se perde, bien, il faut qu'il y ait des alternatives, mais aussi des initiatives, dans le fond, comme les nôtres, là, finalement, pour que ça soit plus facile pour le citoyen de faire son choix entre, finalement, un type de produit puis un autre. Donc, c'est ça. Nous, on veut accompagner la société dans la transition de ces modes de consommation, puis dans le fond, aussi de réduire la quantité des déchets qui se trouvent sur le chemin de l'enfouissement. Donc, nous, on ne s'attaque pas à la question des emballages comme Amélie. On s'occupe d'un autre type de déchets, puis on en a des déchets. Ça continue d'augmenter les types de déchets parce qu'on continue à consommer. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas nécessairement arrêter de consommer, mais on peut mieux consommer, tout simplement. Donc, c'est vraiment là-dessus que notre mission, finalement, se dirige. Puis, notre vision, en fait, c'est de mettre une nouvelle filière en place. Donc, une filière de récupération de ces déchets-là que nous, on voit comme des ressources. C'est une mine, finalement, à ciel ouvert à laquelle on a affaire. Puis, dans le fond, avec toutes les expériences qu'on a, puis notre connaissance aussi du milieu du design, puis de l'éco-conception, bien, on le sait qu'il y en a des solutions. Puis ça, en fait, c'est quelque chose qui est très représentatif de nous trois. C'est qu'on aime ça trouver des solutions, on aime ça régler des problèmes. C'est quelque chose qui nous motive. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous a aussi rassemblés à travers nos parcours. C'est ça qui a fait que finalement, l'année passée, là, presque à jour pour jour, en fait, on commençait en même temps qu'Amélie et Mathias, Épicerie Alternative, au sein de l'incubateur, finalement, du PRECEL, donc du Pôle régional d'économie sociale. En mettant en place cette filière de traitement des déchets, on se base sur les principes de l'économie circulaire qui veut en fait à part le déchet ultime, là, quelque chose qu'on peut vraiment pas réutiliser, ça existe pas finalement, un déchet. Fait que nous, l'impact qu'on veut avoir localement, c'est dans la constitution d'une... attention les mots ici, une matériothèque, une récupérathèque. Finalement, où on rassemble ces objets, on les démonte, on les trie, on les nettoie, puis on les entrepose un peu de style entrepôt de rénovation
Où en fait, ce qui est important pour nous, c'est que comme on peut rassembler une grande quantité de ces ressources-là, ben en fait, c'est possible aussi de reconcevoir, donc éco-concevoir des produits, donc concevoir des objets à partir de matières récupérées. Donc, c'est vraiment ça qui fait le tour de mon côté. Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment intéressant. On va passer avec Sarah-Louis-Jean. Donc, Sarah est artiste en volée de race et fondatrice de la plateforme web Mon Québec Vegan. Sarah a occupé les postes de coordonnatrice au Cirque du Soleil ainsi que journaliste pour Canoë et animatrice pour Signer Laval. Bonsoir, Sarah. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'histoire de ton entreprise et de tout ce que la plateforme Mon Québec Vegan a à offrir. Oui, merci pour l'invitation, premièrement. C'est vraiment un très bel événement. Mon Québec Vegan, en fait, c'est pour inspirer les gens. C'est aussi pour donner d'autres options pour s'alimenter autrement. C'est pas nécessairement faire un changement, mais c'est dire, OK, il y a d'autres façons de s'alimenter, il y a d'autres façons de consommer aussi. Puis, c'est au niveau de l'éducation, parce que c'est un nouveau phénomène depuis les dernières années. On dit, justement, il y avait une recherche qui a été faite, puis aussi une étude. Puis, en juillet, on a découvert qu'il y a maintenant 600 000 véganes canadiens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment grandissant et le nombre décuple à travers le monde. Donc, moi, d'où m'est venue l'idée, c'est que j'ai habité à l'étranger depuis les 6 dernières années. Puis, j'ai habité 2 ans et demi à Berlin, en Allemagne. Et avec la pandémie, je suis revenue. Donc, ça fait au moins 6 ans que je n'ai pas vécu au Canada ou au Québec. Et là-bas, ben, je suis devenue végane depuis 1 an. Et Berlin, c'est une des villes véganes du monde, il faut dire. Donc, il y avait énormément d'informations sur le sujet, des salons, des conférences, justement. Et je me suis rendu compte aussi, dans les épiceries, c'était très bien indiqué pour la nourriture. Donc, c'était très facile à trouver. Les restaurants, il y avait toujours une option, beaucoup d'options, en fait. Et donc, j'ai vraiment pu m'informer énormément là-bas sur le sujet. Et en revenant ici en juillet 2020, pendant la pandémie, eh bien, je me suis rendu compte qu'en voyageant à travers les régions, mon alimentation, disons, était plus difficile à combler, surtout en région, et c'était plus, difficile dans les restaurants, par exemple, à trouver des choix que je pouvais prendre, en fait. Et aussi en épicerie, c'était pas toujours indiqué. Donc là, je me disais, OK, pourquoi ne pas continuer tout ce que j'avais fait là-bas au niveau de mes choix alimentaires, de le faire ici aussi et aussi de donner de l'information aux gens qui sont comme moi, là, vegan. Et les gens curieux, donc c'est pour tout le monde finalement. Donc, j'ai décidé de créer ce répertoire-là. Donc, c'est un répertoire en ligne pour aider les gens curieux de trouver des produits vegan, des alimentations végétaliennes au Québec, quelle que soit la ville. Et donc, au début au Québec, surtout durant les dernières années, il était plutôt difficile de trouver rapidement des informations sur les commerces qui offrent de la marchandise vegan et aussi de la nourriture végétalienne. Donc, notre solution, nous, c'est vraiment d'avoir tout en ligne des filtres qui permettent de cibler des types de commerces comme des cabanes à sucre, des épiceries éco-responsables, par exemple, et aussi de la cuisine, quelle que soit la cuisine, de la pizza vegan, des burgers vegan, donc quel que soit le type de cuisine et la ville aussi. Donc, on a fait des recherches accrues à travers toute la région du Québec pour trouver des commerces vegan. Et les gens peuvent aller trouver vraiment ce qu'ils cherchent là, spécifiquement à travers notre répertoire. Et donc, c'est aussi donner de l'information sur le sujet. Donc, c'est tout nouveau. Donc, d'informer où que les gens peuvent trouver des nutriments qui peuvent favoriser, leur santé avec des articles sur le sujet. Et aussi d'offrir des opportunités aux gens, donc des rabais dans les commerces, encourager les commerces aussi vegan à poursuivre leurs activités, de les aider. Donc, c'est un annuaire, on a aussi une application web que les gens peuvent aller chercher de l'information. Puis, dans le futur, on espère organiser des événements, participer à des salons et d'informer les gens. Donc, c'est pas nécessairement de l'éducation seulement, mais aussi d'inspirer toute la population. Donc, voilà.
Merci, Sarah. Puis, notre quatrième panéliste, Samuel Lemire-Dupont, un entrepreneur avec plusieurs années d'expérience dans le domaine des stratégies d'affaires et qui est président et cofondateur de l'entreprise Kima. Donc, bonsoir, Samuel. Bonsoir. Avant de débuter, je tiens à féliciter tous les entrepreneurs avant moi. Vos projets sont vraiment fantastiques, honnêtement. J'ai hâte d'en savoir plus. De mon côté, j'ai parti de la compagnie Kima avec ma conjointe Jenny. On avait vraiment une mission à cœur, c'était de trouver des solutions pour réduire massivement l'accumulation de déchets. On voit les reportages, on en entend parler sur les réseaux sociaux. Mais quand on se rend dans les épiceries, les options traditionnelles, on regarde ce qu'il y a sur les tablettes, puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'options en tant que citoyen pour faire les changements facilement. Myriam l'a mentionné tantôt, c'est vraiment de trouver des solutions faciles, puis c'est là que Kima intervient. Notre mission, c'est de concevoir des produits rechargeables pour éliminer la pollution causée par les produits à usage unique. Le premier produit qu'on lance dans le marché, c'est un applicateur de déodorant qui est rechargeable. Donc, on utilise tous du déo ou de l'antisudorifique dans notre quotidien. En fait, c'est le deuxième produit de soins corporels le plus utilisé au monde. En ce moment, en Amérique et en Europe, c'est 3 milliards d'unités qui se font jeter à chaque année. Puis les pays industrialisés, comme le Canada où on vit, ont beaucoup de misère à recycler tous ces matériaux-là quand ils se font mettre dans le bac bleu. Dans le fond, nous, notre mission, c'est de rendre ça facile pour le citoyen, puis aussi pour les entreprises. Donc, on fait des partenariats avec des compagnies qui ont vraiment les mêmes valeurs que nous, qui partagent nos valeurs. Donc, ce sont des fabricants de produits naturels que vous connaissez déjà, par exemple Green Beaver ou The Unscented Company, qui sont des belles compagnies d'ici avec des produits locaux qui, eux, fabriquent les recharges. Donc, si vous allez sur notre site web, on est en ce moment en pré-vente. Vous pouvez trouver nos applicateurs, choisir une couleur de votre choix, puis choisir parmi nos partenaires. Nous, ce qui est important là-dedans, c'est d'être capable d'offrir du choix. Parce que quand tu prends un applicateur ou un produit rechargeable que tu as gardé pendant plusieurs années, on voulait vraiment assurer le consommateur qu'il pouvait changer de compagnie, trouver la marque qui lui convient, vraiment trouver le produit qui fonctionne pour lui. Puis, dans le fond, avec cette stratégie-là, ça nous permet aussi de faire des partenariats au travers le monde puis rendre accessibles des recharges locales à tout le monde dans l'optique toujours de réduire massivement l'accumulation des déchets. Puis, pour nous, c'est une mission qui nous tient vraiment à cœur. Puis, on a une super belle équipe. Puis en ce moment, on vient de finaliser notre prévente sur Kickstarter, puis nos produits vont être disponibles dès juin. On est super hâte, puis merci pour l'invitation puis l'opportunité de parler aujourd'hui. Merci, Samuel. Okay. Donc, on va commencer en essayant de démêler peut-être le type d'entreprise. Donc, au niveau des types d'entreprises, on reconnaît qu'il y a différents niveaux. Donc, il y a l'entreprise traditionnelle incorporée qu'on connaît, dont le premier but est de faire un profit. Ensuite, on a des entreprises à impact, dont les entreprises à économie sociale comme les coop ou les OBNL. Donc, Myriam, Amélie, vos entreprises sont des OBNL, donc des organismes à but non lucratif. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a guidé vos choix de devenir une OBNL, puis quelles sont les caractéristiques, les défis, les avantages de cette vocation d'entreprise? Je vais commencer avec toi, Myriam. Oui, je vais tenter de répondre au mieux de mes connaissances avec aussi la perspective de la mine urbaine. Dans le fond, comme le cœur de notre mission est à la fois social et environnemental, parce que en fait, on veut diminuer la quantité de déchets, mais aussi, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas non plus mentionné tantôt dans ma petite introduction. Dans le fond, on veut aussi faire en sorte que les citoyens, les entreprises, les organismes locaux, les artistes, les travailleurs autonomes puissent venir aussi fabriquer des trucs chez nous. Donc, il y a aussi comme ce côté-là, finalement, à nos ateliers, notre matériothèque. Donc, c'est aussi un peu ce qui confère son côté social, environnemental. Je pense que ça commence à être évident là, dans mon discours. Donc, la forme OBNL, pour nous, c'était assez évident, mais c'était aussi une stratégie. Parce que je pense qu'on peut voir les OBNL aussi comme une stratégie. Des fois, on va peut-être avoir un préjugé sur le fonctionnement des OBNL. Puis nous, en fait, l'idée de choisir l'OBNL, c'était pour atteindre nos objectifs qui sont de changer des réflexes de consommation par la valorisation des matières résiduelles, principalement ceux des encombrants, là, donc du secteur résidentiel. Mais
pas, puis en détournant dans le fond de l'enfouissement. Puis en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi le Bénel? C'est parce que c'est une forme juridique qui implique une considération égale entre les aspects sociaux, environnementaux puis économiques qui concernent la communauté de laquelle on émerge. Parce que nous, c'est vraiment important de dire qu'on émerge de la communauté. Deux de nos cofondatrices habitent le territoire. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un ancrage local. Puis, c'est sûr que les défis qu'on envisage en rapport à ça, c'est que on fait partie d'entreprises qui, disons, d'organismes qui, par leur mission, ouvrent la voie, qui se confrontent donc à d'autres entreprises qui sont établies, par exemple. Donc, on fait du défrichage, finalement. Puis ça, qu'on soit une entreprise ou une OBNL, c'est un défi, peu importe la forme juridique qu'on emploie. On fait face aux préjugés défavorables envers les OBNL. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. On parle un nouveau langage que d'autres entreprises comprennent pas nécessairement ou comprennent pas nécessairement pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'être en lien avec la communauté. Dans nos actions quotidiennes, dans notre mission, puis pour le bien commun, finalement. On a aussi, dans le fond, souvent, peut-être peu d'exemples locaux, disons, qui vont se démarquer. Dans le fond, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'OBNL, ce qui fait en sorte que, d'une certaine façon, c'est plus difficile de se démarquer d'une OBNL à une autre. Mais d'un autre côté, ça ouvre des possibilités de financement auxquelles on n'aurait pas accès si on avait une forme plutôt d'entreprise, par exemple. Ça nous donne accès à des programmes gouvernementaux, par exemple, qui sont vraiment intéressants, puis de s'aligner aussi au plan d'action des gouvernements, que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques ou tout autre programme. Donc, il y a en fait l'opportunité avec l'OBNL, d'une certaine façon, de matérialiser les envies, les besoins des citoyens, puis de faire le pont avec le gouvernement. Donc, je pense que l'OBNL a vraiment sa place pour vraiment être une voix pour les citoyens, une voix concrète, matérielle, structurée, qui va permettre ce lien-là. Même si on est peu avancé pour l'instant, je vois qu'il y a aussi beaucoup l'opportunité de partager les coûts. Parce que les coûts peuvent être compensés par, entre autres, des financements, des dons, puis toute autre action qui peuvent permettre de nous soutenir. Merci. Amélie, de ton côté, qu'est-ce qui avait guidé le choix vers une OBNL? Oui, bien en fait, ma sœur et moi, quand notre but premier en pensant à ouvrir l'épicerie, ça n'a jamais été de faire du profit à tout prix puis de faire de l'argent avec ça. C'était tout le temps, on voulait ouvrir une entreprise qui était cohérente avec nos valeurs. Donc, le modèle d'OBNL pour nous était très cohérent parce qu'en plus de ça, on a une mission environnementale qui est très forte, mais on a aussi une mission sociale de vouloir vraiment, vraiment s'inclure dans le quartier, créer un lien d'attachement, mettre sur place des ateliers, être vraiment faire de la sensibilisation. Donc, on voyait vraiment que notre mission environnementale et notre mission sociale s'alliaient bien pour faire un OBNL, en plus que notre incitatif de départ n'était pas de faire de l'argent à tout prix. Donc, on voyait vraiment là la cohérence. C'est vraiment le mot-clé là, qui nous a appelés vers l'OBNL quand on a connu ce modèle d'affaires-là, parce que c'est aussi un modèle d'affaires qui n'est pas très connu. Il a fallu vraiment que je sois en contact avec des gens qui m'ont expliqué ce que c'était, parce que sinon, moi, je m'alignais vers une entreprise incorporée parce que c'était ce que je connaissais. Mais quand j'ai su, c'est vraiment... j'ai fait comme, OK, wow, c'est très cohérent qu'Alternative devienne une OBNL, en fait. Et puis, j'ai aussi découvert un milieu qui est extrêmement bienveillant. Je ne connais pas vraiment le monde des entreprises incorporées, mais le monde des entreprises d'économie sociale,
c'est un très beau milieu. Il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment un milieu que j'avais envie de faire partie, de plonger dedans. Donc, vraiment beaucoup de bienveillance là, dans l'économie sociale. Évidemment, ça a son lot de défis. Personnellement, je sais que ma soeur aussi partage ce point de vue-là. C'est notre bébé, on l'a créé, cette épicerie-là, on l'a mis sur pied. On a un certain pouvoir qu'on doit déléguer au conseil d'administration. Donc ça, c'est un petit deuil à faire, évidemment. Donc, c'est ça, du côté administration, là, on doit en déléguer un petit peu au CA. C'est sûr que c'est un petit peu plus, une plus grande charge administrative parce qu'on doit rendre des comptes à un CA. Donc ça, c'est juste pour s'habituer à cette façon de faire-là. Mais on s'y habitue, là. C'est juste, il faut s'attendre à ça, là, en fait. L'entreprise ne nous appartient pas. Mais sinon, il y a énormément d'avantages, là. Comme Myriam l'a dit, il y a des avantages financiers. On n'a pas besoin de mettre de mise de fonds personnels quand on fonde nos BNL. On a accès à des subventions. C'est vraiment un gros avantage, là, pour démarrer l'entreprise parce que c'est sûr que obtenir de l'argent pour démarrer, c'est le nerf de la guerre, là. Donc, ça, on a été vraiment avantagés d'être un OBNL pour les subventions. On peut aussi profiter bénévolement de l'expertise et des compétences des membres du CA. Donc, ça, c'est vraiment pas à négliger. On a un beau CA qui nous aide, qui est là pour juste nous apporter leur soutien. Ils ont un réseau de contacts aussi. Donc, on met vraiment à profit l'intelligence collective dans une mission qui est commune, qui est partagée par tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment riche. Il y a des belles discussions. On peut vraiment réfléchir à des questions ensemble, puis vraiment susciter l'intelligence collective. Donc, c'est un gros avantage pour moi. Puis aussi, le fait de pas mettre le focus sur le profit à tout prix, pour moi, ça me laisse plus d'énergie, plus de liberté pour penser à qu'est-ce qu'on peut faire si on a des surplus dans l'entreprise. Quel autre projet on peut partir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour moi, ça détourne le focus sur le profit à tout prix. Oui, on va être rentable, évidemment, on va être autonome financièrement, mais ça permet, je trouve, de plus se focusser sur la mission, la mission vraiment en elle-même. Puis sinon, ben, un dernier avantage que moi j'aime vraiment beaucoup personnellement, ça me rassure beaucoup, c'est de savoir que si je quitte, l'organisme continue. Donc, je mets sur pied quelque chose et puis moi, si dans 15 ans, je suis tannée d'être alternative, je veux faire autre chose, ben il y a juste quelqu'un qui va prendre ma place comme DG, puis ça va continuer. Donc, je vais léguer quelque chose à la communauté qui pourra évoluer, qui pourra changer, mais ça ne dépend pas juste de moi. Donc, c'est plus grand que moi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, dans ce modèle d'affaires-là. Donc, voilà. Merci, les filles. OK, maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Donc, Samuel et Sarah, vos entreprises se rapprochent peut-être un peu plus de l'entreprise traditionnelle en étant incorporées. Mais en même temps, si vous êtes ici ce soir, c'est que vos entreprises remplissent principalement un rôle socio-écologique. Donc, votre seul but n'est pas le profit. Donc, est-ce que vous voudriez élaborer un peu sur ce qui a motivé vos choix d'entreprise, puis les caractéristiques, avantages et défis particuliers à ceux-ci? Donc, on pourrait commencer avec toi, Samuel. Oui, moi, honnêtement, ça va être drôle, mais j'avais déjà une incorporation. Le projet, quand on est parti, je possédais déjà une incorporation. Ça me servait à d'autres projets dans le passé. Puis, on s'en est juste servi, puis on est parti comme ça avec. C'est pas un questionnement qu'on s'est demandé au début. Puis si, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes en ce moment avec une idée d'un projet éco-responsable ou à valeur sociale, vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision-là rapidement. Je pense que ce qui est important avant tout, c'est votre mission à vous, puis le temps que vous dédiez. Puis nous, notre mission, c'est de réduire les déchets. Peu importe la façon que la structure de l'entreprise est faite, c'est vraiment là qu'on met le cœur de nos énergies. Notre but à la fin de la journée, c'est pas de tirer un profit, c'est vraiment de développer d'autres solutions, puis d'accomplir notre mission. Puis c'est vraiment ça qu'on vise. Donc, je pense que c'est pas nécessairement déterminer tes actions dans ton quotidien par rapport à si tu es un Inc ou une OBNL. Puis il y a beaucoup de façons de s'entourer. Comme nous, on a un CA, mais c'est pas un comité administratif, c'est un comité aviseur.
c'est plus ou moins le même rôle. Donc, c'est des gens qui nous accompagnent pour être sûr qu'on prenne les bonnes décisions, pour être sûr qu'on fonce de l'avant, mais qui ne sont pas nécessairement avec un pouvoir décisionnel sur le futur de l'entreprise. Aussi, je pense que l'autre point à considérer dans ça, c'est ton besoin financier. Puis Myriam et Amélie l'ont mentionné toutes les deux, c'est un super véhicule, les OBNL, honnêtement, au niveau des subventions et tout ça. Après ça, il faut vraiment que tu fasses un bon montage financier, que tu rencontres tous les intervenants partout pour voir dans ta stratégie d'entreprise, c'est quoi le meilleur véhicule pour toi. Nous, dans notre optique, par exemple, on a besoin d'énormément de capitaux pour atteindre notre objectif. Puis, on a jugé que c'était plus favorable d'avoir une structure qui allait nous permettre de diluer de l'équité éventuellement pour nous permettre d'accélérer la croissance parce que notre vision, c'est plus vite les gens vont utiliser des produits rechargeables, bien, plus vite le marché en entier va changer puis même les gros joueurs vont vouloir arriver plus vite avec plus de solutions. C'est dans cette optique-là qu'on va de l'avant. Mais notre but, c'est pas de générer des énormes quantités de profits pour nous, c'est vraiment de régler les problèmes puis de continuer de réinvestir à développer des solutions rechargeables. Merci. Sarah, de ton côté, qu'est-ce qui avait motivé les choix d'entreprise? Oui, donc moi, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement. Donc, c'est venu d'une mission qui est d'avoir plus d'informations sur le sujet, plus d'informations sur le véganisme en général, et puis aussi d'aider les gens à trouver des commerces. Donc, c'est vraiment devenu d'une mission profonde et c'est toute l'entreprise, disons, est fondée sur cette mission-là, sur cet objectif-là, donc qui est non profitable nécessairement. Donc, moi, je me suis basée sur ce que le véganisme a apporté, puis ce que je veux apporter aux autres. Puis, je me suis fait beaucoup inspirer aussi. Ce qui m'a motivée aussi, c'est j'ai reçu un certificat comme coach nutritionnel. Donc, d'en savoir plus sur le sujet, je voulais en donner de l'information là, pour les autres aussi. Donc, c'est vraiment basé là-dessus, puis ça s'est fait vraiment naturellement. Donc, maintenant, j'ai vu, grâce à mes recherches, j'ai visité des forums, je me suis rendu compte aussi que les gens voulaient en savoir plus sur le sujet. Donc, les gens sont curieux, puis aussi des nouveaux commerces à tous les jours, et même au Québec, qui sont créés par rapport avec l'éco-responsabilité depuis les dernières années, et aussi des nouvelles créations en cuisine, donc notamment des commerces de dumplings, des nouvelles cuisines qui n'étaient pas là avant. Et à tous les jours, il y a des nouvelles créations qui sont faites. Donc, c'est de là aussi à vouloir les partager. Donc, c'est basé sur le fait qu'on veut partager, on veut donner de l'information, on veut éduquer, on veut inspirer. Donc, c'est vraiment basé là-dessus. Puis, le bienfait, je pense que ça apporte de l'information aux gens. Ça apporte aussi de l'avancement sur le sujet. Donc, dès qu'il y a des nouvelles recherches, on partage l'information sur les recherches qui ont été données, qui ont été trouvées aussi. Et aussi, je pense que les gens ont plus d'informations, donc ils peuvent faire des choix autrement à ce moment-là. Puis les défis, bien sûr, c'est... Bon, au niveau de la COVID, c'était pas évident vu que les commerces sont fermés, mais c'est aussi de trouver l'information parce qu'il n'y a pas énormément de commerces qui existent de véganisme. Donc, ça a été un défi vraiment de les trouver, surtout en région. Puis aussi, c'est ça, finalement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas seulement trouver des commerces 100% vegan, mais aussi trouver ceux qui ont des options. Donc, c'est d'aller finalement cibler pas nécessairement ceux qui en offrent, mais tous les commerces, finalement, qui peuvent offrir d'autres options. Donc, c'est ça, c'est de départager ces informations-là et de ce qu'on peut trouver pour pouvoir informer les gens, là, en général. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, ce qu'on comprend aussi, c'est que toutes vos entreprises ont comme essence même de faire une différence. Mais toutes les entreprises ont plusieurs dimensions, c'est-à-dire un ensemble de différentes sphères. Par exemple, qu'on pense au transport des marchandises et la gestion de toutes les ressources, l'énergie, l'eau, la gestion des ressources humaines. On pourrait faire un petit tour de table. Est-ce que vous réussissez à intégrer différents principes sociaux et éco-responsables dans toutes ces différentes sphères de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Comment vous faites vos choix à ce niveau-là? Je vais commencer avec Myriam. Oui, bien, en fait... Dans notre cas, il y a comme deux dimensions
l'implication des principes sociaux puis éco-responsables. D'abord, ben, fondamentalement, oui, on les intègre, les principes sociaux et éco-responsables, parce qu'on est une OBNL d'économie sociale qui œuvre en économie circulaire. Donc, déjà, dans le fond, notre mission même intègre carrément les deux principes. Donc, un exemple général de ça, c'est tout simplement le fait qu'on travaille à protéger l'environnement, puis donc qu'on sert un besoin qui est social, parce que sans l'environnement, la qualité de l'environnement, ben en fait, ça diminue notre qualité de vie à nous. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour ça. Un exemple peut-être plus précis de ça, qui concerne peut-être plus une échelle finalement plus humaine, une échelle plus au niveau du citoyen, c'est que en mettant en place la structure, la filière qu'on veut mettre en place, puis en valorisant les matières encombrantes, finalement, on rend disponible des biens de consommation qui sont issus de la valorisation. T'sais, c'est finalement, dans le fond, je reviens un peu sur ce que je disais plus tôt, puisque Samuel aussi t'a continué un peu là-dessus, c'est que on offre vraiment une alternative aux citoyens face à leur consommation. Donc, un citoyen, une citoyenne peut enfin choisir si il ou elle veut acheter un bien ou non issu dans le fond avec ce contenu qui est récupéré. Donc, en fait, on part du principe que s'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'action. Donc, fondamentalement, c'est comme ça qu'on intègre à la fois les principes sociaux puis éco-responsables. Maintenant, comment ça se matérialise dans nos installations? Bien, pour l'instant, on n'a pas d'installation parce qu'on est en phase de prédémarrage. Par contre, on est capable de prévoir ça. Puis avec tout notre bagage en éco-conception qui véhicule carrément là, ces deux principes-là, bien, on va s'intégrer finalement à la symbiose industrielle qui est naissante en ce moment à Laval. Symbiose industrielle, le principe derrière ça, juste pour comme faire un petit peu... un tour de table autour de... En fait, plutôt préciser ça, c'est que c'est quand les éléments extrants d'une entreprise, donc ces rejets, ces déchets, deviennent les intrants d'une autre entreprise. Donc ici, dans le fond, on boucle la boucle, puis nous, dans le fond, on veut vraiment s'inscrire dans cette symbiose-là. Puis à part de ça, dans le fond, aussi, dans le fond, au niveau social, nous aussi, dans le fond, on veut offrir des ateliers aux citoyens. On pourrait, par exemple, penser à des ateliers de réparation où n'importe qui peut venir, évidemment, sous la supervision d'un maître d'atelier qui a la formation pour accompagner, de venir réparer son fer-plat à cheveux, son toaster. Donc, des petits électroménagers comme ceux-là, ou encore de venir réparer n'importe quel autre objet sur lequel on s'assied en ce moment ou qui se trouve autour de nous. Donc, c'est en fait aussi l'idée, c'est que c'est d'offrir un espace qui aussi permet de faire ces actions-là, de prolonger la vie des objets qui sont autour de nous ou, en tout cas, de s'en départir de façon responsable sans le poids de se dire qu'en le déposant sur le bord de la rue, s'il pleut, s'il neige, s'il grêle, ben, ça va être fini pour cet objet-là. Donc, je dirais que pour nous, c'est pas mal ce qui couvre la question. Merci. Samuel, et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous réussissez à intégrer ces différents principes? Oui, bien, c'est sûr, comme je l'ai mentionné tantôt, nous, notre mission, on y croit. Puis, c'est même quand on rencontre des membres de l'équipe, comme notre designer industriel qui a vraiment travaillé fort à développer notre produit. La première question, c'est vraiment être sûr que la personne a les mêmes valeurs que nous, parce qu'à chaque moment où on se pose une question dans le projet, tu sais, comment vont être emballées les recharges, pour nous, il faut que ça soit un emballage qui est compostable, parce que le vrai déchet, c'est l'emballage des recharges. On voulait arriver là, puis à chaque étape, même notre R&D qu'on fait en ce moment, on utilise du PLA, qui est un plastique qui vient du maïs. On n'a pas jeté un seul morceau depuis le début. À toutes les 3 semaines, quand je vais voir mon designer, qui en ce moment garde les imprimantes chez lui, je ramasse les déchets. Puis là, on va se faire une super belle statue qu'on va pouvoir aller au bureau avec tout ça.
C'est des petites décisions comme ça au quotidien qui font la différence. Puis quand tu es dans un projet comme on l'est, veux pas, tu es exposé aux vraies données sur les déchets, tu t'informes, puis plus tu t'informes, bien, plus tu es curieux, puis plus tu as envie de diminuer ton propre déchet à toi-même. Mais comme Amélie l'a dit, c'est sûr, on n'est pas parfait. J'en fais encore des déchets. Puis la vision, c'est pas d'arriver non plus à la perfection puis à tout ça, mais c'est vraiment de faire ce qu'on peut, nous. Donc, nous, on a vraiment analysé le cycle de vie au complet du produit. Dès l'année prochaine, on va avoir un programme de récupération circulaire. Donc, si quelqu'un voudrait ne plus utiliser son applicateur Kiima, ça risque de pas arriver à personne, mais d'un coup que nous, on va avoir des points de chute, on va les récupérer, on va les recycler au complet, puis on va sortir des versions 100% recyclées de nos produits. Puis ça, c'est pour toute la gamme. Dès la conception, dès le départ, je dis toute la gamme parce qu'on a d'autres produits qui s'en viennent, un scoop pour Laval en transition. Donc, dès le départ, dans la conception, comme Myriam l'a dit, au niveau de l'éco-conception, on pense comment on va le récupérer à la fin de la vie pour pas que ça se retrouve dans des sites d'enfouissement. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va montrer aussi l'exemple à toutes les autres entreprises, que si des startups sont capables d'agir de ces façons-là, puis d'opérer, ben on est tous capables de le faire. Très encourageant. Donc, puis Sarah, de ton côté, avec la plateforme, est-ce que c'est possible d'intégrer différents principes socio-éco-responsables? Oui, certainement. Ben, je dirais que c'est ça, vu qu'on est en ligne, c'est sûr qu'on n'utilise pas de matériaux physiques, mais tous les gens qui collaborent à la plateforme ont quand même une vision qui est commune. Puis je pense que les gens le ressentent quand ils lisent les articles à travers le blog, puis qui voient, disons, les différentes informations là, sur le véganisme en général et sur les différents sujets d'éco-responsabilité. Je pense que c'est quelque chose qui se sent aussi, puis que c'est des gens aussi curieux. Donc, je pense que plus qu'on est curieux, plus on peut c'est ça, donner de l'information puis trouver différents sujets aussi sur un même thème. Donc, voilà, oui, on est certainement. Puis, au niveau on a une boutique aussi en ligne. Donc, tous nos produits utilisent quand même des emballages qui sont très éco-responsables et donc on essaie de ne pas utiliser du plastique, par exemple, et d'être respectueux envers l'environnement. Et nous-mêmes, si on reçoit des produits, bon, on essaie généralement de tout le zéro déchet et d'être vraiment éco-responsable par rapport à ça. Je dirais aussi qu'on essaie le plus possible de redonner à la population, donc de donner vraiment de l'information, d'éduquer et via les infolettres, entre autres. Donc, vraiment le plus possible d'informer, puis d'utiliser le en ligne le plus possible. Donc, on essaie de ne pas avoir, dans le futur, de ne pas avoir de brochures, mais de faire, d'encourager les gens à utiliser, les ressources en ligne qu'ils peuvent trouver. Aussi, au niveau social, autant la population que notre équipe, on encourage les gens à aller dans les commerces qui viennent du Québec, aussi à utiliser les terres agricoles qui viennent du Québec pour aller chercher leurs ressources. Et dans le futur aussi, on aimerait offrir des cours d'inspiration végane, donc toujours pour donner de l'information, mais aussi pour inspirer les gens, entre autres. Donc voilà. Amélie, de ton côté? Oui, bien nous, c'est sûr qu'on s'attaque principalement aux emballages. On parle souvent de les clients vont pouvoir apporter leur propre contenant pour les remplir, mais il y a aussi toute la portion avec les fournisseurs de comment on reçoit, nous, ces produits-là en magasin. Donc, il y a un gros travail aussi qui est fait avec les fournisseurs pour qu'on reçoive les produits soit dans des chaudières qui sont consignées, par exemple. Donc, on peut retourner aux fournisseurs, ils les nettoient, assainis, puis peut les réutiliser. Ou dans des très grandes poches qui ont un moins grand impact environnemental que les emballages uniques. Donc, c'est sûr que quand on part une entreprise éco-responsable, il faut être très rigoureux. C'est facile de prendre des raccourcis parce que là, on est toujours, comme Myriam l'a dit, on défriche. Là, donc, il faut vraiment toujours rester très rigoureux. Donc, ça s'applique autant pour nous qu'on choisit des fournisseurs qui sont cohérents avec nos valeurs, mais aussi en offrant, en incitant les clients à apporter leurs propres contenants pour pas qu'ils achètent des emballages
emballages à usage unique. On favorise aussi l'achat local, donc avec nos fournisseurs, pour qu'ils soient le plus local possible. On a plusieurs fournisseurs qui viennent de Laval, même de Pont-Viau, donc on les priorise, là, évidemment. Puis on découvre, ça permet aussi de découvrir le quartier. Là. On a un traiteur, La Fourchette Remplie, qui est à deux rues de notre local, qui va nous fournir des plats préparés. On a Kombucha Ciment, qui fait du kombucha à deux rues de l'autre côté aussi. Soya Distinction pour le tofu. Donc, on utilise vraiment nos ressources locales là, le plus possible. Donc, ça demande beaucoup de rigueur là, dans toutes les étapes là, de la création de l'entreprise. Mais bon, c'est notre raison d'être. Donc, on le fait vraiment. On vise aussi dans un avenir rapproché à devenir une entreprise carboneutre. Donc, à tout calculer nos émissions et pouvoir les compenser. Donc, c'est quelque chose qu'on vise là, dans la première année là, de travailler là-dessus pour devenir vraiment une entreprise carboneutre. Puis aussi, bien, tout l'impact social, on veut susciter le lien d'appartenance avec le quartier. On en parle un peu moins, mais à cause de la COVID, mais on va faire un espace café aussi dans notre épicerie. C'est un lieu qui n'a pas beaucoup dans Pont-Viau. Donc, on veut vraiment créer un espace que les gens peuvent se poser, discuter, prendre un café. Donc, c'est ça. On va aussi avoir un espace, on va faire partie de la route du lait de Laval, donc un espace pour que les femmes puissent allaiter, là, un coin intime qui leur est dédié. Donc, c'est des actions comme ça qu'on veut mettre en place là, pour les citoyens. C'est certain qu'au début, le plus gros défi, c'est de mettre en place l'épicerie. Là. C'est beaucoup d'opérations, c'est une grosse gestion. Mais je suis sûre que par la suite, là, il y a plein d'autres actions sociales qui vont émerger. Là, puis plein d'autres beaux projets connexes là, qui vont être cohérents avec la mission sociale environnementale. Merci beaucoup, Amélie. Donc, on peut dire que quand même à Laval, on assiste à un essor de l'économie sociale, de l'économie circulaire. J'aimerais revenir avec toi, Amélie, d'abord. Est-ce que tu crois qu'il y a de la place pour toutes ces entreprises à Laval? Puis, est-ce qu'il y a présentement du soutien pour les entreprises? Parce qu'on en a parlé un peu. Qu'est-ce qu'on a, en fait, à Laval ici? Oui. En ce moment, Laval, elle est sous-représentée en termes d'économie sociale. Donc, oui, il y a beaucoup de place pour ce type d'entreprise-là. Juste un petit fait intéressant, là, statistiquement, les entreprises d'économie sociale sont beaucoup plus pérennes. Ils survivent vraiment mieux comparé aux entreprises privées. Donc, c'est vraiment un bon modèle. Moi, je suis convaincue que c'est un modèle du futur, là, ça suscite beaucoup l'engagement, l'intelligence collective, c'est axé sur une mission qui est forte. Donc, moi, je trouve que c'est un modèle du futur, selon moi. Puis, à Laval, ben, il y a beaucoup de place et il y a beaucoup de soutien aussi. Le pôle régional d'économie sociale de Laval, je ne pourrais pas assez le dire à quel point c'est un acteur incontournable. Ils sont tellement dynamiques, ils sont vraiment super proactifs. Donc, dans l'accompagnement des entreprises, là, c'est vraiment grâce à eux que Alternative est devenue ce qu'elle est, là, parce que ça a été vraiment le point de départ. Là. On a vraiment gravité autour de cet organisme-là. Donc, si vous avez des questions, vous pensez peut-être ouvrir une entreprise d'économie sociale, vous ne savez pas exactement c'est quoi, allez les voir, c'est une belle équipe, puis c'est vraiment une ressource là, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Puis il y a aussi le Fonds d'économie sociale de Laval, donc qui à la ville, il y a des subventions, puis il y a aussi de l'accompagnement. Donc, c'est pas mal les deux ressources, moi, à Laval, qui m'ont aidé. Donc, vraiment le côté plus développement économique avec la subvention, l'accompagnement, puis le pôle régional d'économie sociale. C'est vraiment grâce à eux qu'Alternative a pu pouvoir naître là, très bientôt. Donc, venez-vous-en à Laval. Il faut refaire monter les statistiques. Il faut que Laval soit plus représenté là, en termes d'entreprise d'économie sociale. Merci. Myriam, à ce niveau-là, est-ce que, selon toi, oui, il y a encore de la place? Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, premièrement, Amélie m'enlève les mots de la bouche. J'aurais dit la même chose. Merci, Amélie, pour tout ce que tu as dit. J'ajouterais simplement
que, en fait, moi, je suis biaisée par le fait que la mine urbaine a à peu près le même parcours qu'Amélie et Mathias avec l'épicerie alternative. Donc, c'est pour ça que je dis que finalement, il y a beaucoup de choses que j'emprunterai au discours d'Amélie. Mais j'ajouterais le fait suivant. En fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte en montant notre au BNL d'économie sociale, c'est que les acteurs à Laval se parlent. Et ça, c'est vraiment bénéfique. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, quelqu'un à l'autre bout le sait. Et ça, en fait, ça parle, OK, beaucoup. Puis ça, c'est vraiment important pour permettre à des initiatives comme les nôtres d'émerger. Donc, il y a comme beaucoup de bouche à oreille sans qu'on s'en rende compte. Puis ça montre à quel point, en fait, nous, on a fait partie de l'incubateur Laval, une ville à échelle humaine. Puis je pense qu'on le sent vraiment à l'échelle humaine dans la capacité justement de ces instances-là à communiquer l'information. Puis, en fait, à ne pas se retrouver dans un système de... Tu fais penser un peu aux 12 travaux d'Astérix, là. On a une question, on la pose, on a une réponse. C'est clair, net et précis. Puis je vois Amélie qui hoche la tête. Donc, je pense que vous avez vécu la même chose que nous à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment encourageant. Puis en fait, ça montre, je trouve que il y a une belle organisation qui se trouve aussi derrière les possibilités pour le type d'organisation dont on a à Laval. Ah, intéressant. Puis on semble voir qu'il y a quand même un bon soutien. Mais est-ce qu'il y aurait une façon d'encore mieux soutenir le développement des compagnies porteuses d'impact? On pourrait commencer avec Sarah. Est-ce que tu aurais des idées sur d'éventuelles mesures municipales qui auraient un plus grand impact pour développer les compagnies? J'ai plusieurs idées, comme par exemple premièrement, donner de l'information sur le sujet pour offrir, montrer que ça existe, des commerces ou des éco-responsables. Aussi, de favoriser la participation à des événements publics de la part du grand public. Donc, par exemple, organiser des concours qui soient diffusés dans les journaux locaux, par exemple, sur différents sujets là, d'éco-responsabilité et de transition, d'avoir des articles de journaux, de participer aux événements sportifs, de rentrer en collaboration avec les événements sportifs pour diffuser de l'information, les événements par rapport à la santé, aussi des événements publics comme des marchés de Noël, par exemple, des festivals, pour vraiment diffuser de l'information que oui, ça existe, oui, on peut transitionner vers un nouveau mode de vie. Et aussi d'offrir de la formation dans les écoles primaires. Donc, ça peut partir de très jeune. Là. C'est les habitudes proviennent de... quand on est tout jeune là, à l'école. Donc, dire, OK, le recyclage, ça existe, même si que c'est un enfant de la maternelle, oui, d'encourager de finir, de faire un dessin, puis d'aller prendre les papiers restants, puis de le mettre au recyclage, puis d'expliquer pourquoi ils ont fait cette action-là, comment ils peuvent participer, disons, au développement de l'environnement, disons, à favoriser l'environnement. Donc, vraiment de partir du jeune âge, finalement, de l'école primaire et au niveau secondaire aussi. Donc, d'aller vraiment dans les écoles, d'avoir des conférenciers qui donnent l'information sur le sujet, de poser des questions, d'en parler. Donc, plus on en parle, plus on est conscient que de l'existence de ça, plus ça favorise des nouvelles habitudes quand on devient plus vieux, et etc. Donc, tous les âges, finalement, peuvent participer à ça. Même aller voir les gens en résidence, plus âgés, donc de parler avec eux et dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter du changement, parce que le changement provient de chacun d'entre nous et pas nécessairement du mouvement de masse, mais chacun d'entre nous peut faire un petit changement. Donc d'aller questionner chacune des personnes, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font dans leurs habitudes de vie, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent porter impact aussi, est-ce qu'ils pensent que... leurs gestes portent impact, donc poser des questions, en parler. Aussi, au niveau de l'accessibilité, que les bacs de recyclage soient accessibles, peu importe où qu'on est. Donc, les municipalités peuvent encourager à mettre des bacs de recyclage on a déjà ça dans les métros, mais un peu partout, dans les épiceries, que ça soit vraiment accessible. Au niveau communicationnel aussi, supposons, moi, je vais à la pharmacie, d'encourager les commerces à ne pas poser la question « Est-ce que vous voulez un sac? » Donc, juste cette question-là, ça porte à dire oui. Donc,
peut-être penser à ne pas l'offrir. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir penser à développer l'habitude d'apporter leur propre sac. Aussi, d'encourager les gens dans les restaurants à prendre pour apporter. Est-ce que vous voulez prendre pour apporter? Donc, de développer ces questionnements-là, de dire, OK, quand on communique avec les autres, est-ce que ça peut porter impact aussi? Donc, tous les questionnements qu'on demande aux autres. Donc, c'est, le gouvernement peut quand même développer des programmes pour informer les commerces, comment leur donner de l'information pour influencer, pourquoi pas, le grand public. Aussi, d'être plus présent au niveau identificationnel. Donc, d'avoir des brochures, des panneaux un peu partout dans les épiceries, au niveau des sujets d'environnement dans les sections, où qu'on a les fruits et légumes dans les épiceries, donc d'offrir l'information sur les sacs qu'ils peuvent prendre, que les gens peuvent réapporter pour la prochaine fois. Donc, vraiment d'être là, d'être présent à ce moment-là. Dans les menus des restaurants, on peut indiquer tout au bas ce commerce-là et tient à l'environnement. Donc, juste cette identification-là, ces informations-là peuvent justement ouvrir les yeux de chaque citoyen. Puis aussi, finalement, d'offrir des subventions aux commerces qui participent à l'environnement, au développement de l'environnement et au comportement éco-responsable, entre autres. Voilà. Merci, Sarah. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un citoyen engagé qui a la fibre entrepreneuriale, mais qui voit vraiment le projet un peu comme un mur? Quelles seraient les premières étapes? Par où est-ce qu'on pourrait commencer? Donc, Samuel, est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Bien, définitivement, je pense que la première chose, c'est foncer. Honnêtement, ça a été mentionné plusieurs fois, je pense, par presque tous les participants ce soir. Il y a de l'aide disponible. N'hésitez pas, contactez, débutez les premières démarches. Un projet d'entreprise, peu importe qu'il soit éco-responsable ou pas, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, définitivement. Mais si vous y croyez, puis au fond de vos tripes, vous le savez que vous avez la solution à un besoin, puis que ça va avoir vraiment un impact, il y a de l'aide disponible. Puis je pense que n'importe quel des panélistes ici, si vous leur écrivez sur un réseau social quelconque, on va être les premiers à vouloir donner des idées, donner des contacts. Vraiment, il y a un bel écosystème. Puis les gens comme nous qui font ça, c'est parce qu'on y croit, puis on a les valeurs, puis ça va nous faire plaisir de vous entraider. Puis nous, quand on a démarré, les premières étapes qu'on a faites, c'est de s'entourer, c'est d'aller voir des gens plus compétents que nous, qui ont vraiment des connaissances spécifiques pour aller chercher des ressources puis l'aide qu'on avait besoin pour concrétiser le projet. Mais avant tout ça, il a fallu se dire go. Puis on en a besoin de vos idées. La planète a besoin que vous vous lanciez. Puis il y en a de la place pour des entreprises, les consommateurs et tout le monde. On veut avoir du choix. Puis moi, honnêtement, de voir des projets comme ceux avec les autres panélistes aujourd'hui, je trippe. J'ai hâte d'aller réparer ma chaise chez la mine urbaine. J'ai hâte d'aller voir Amélie à l'épicerie puis de m'informer plus sur mon Québec vegan. Je trouve ça vraiment trippant. Puis si vous êtes là sur le point en train d'hésiter, allez-y, foncez, démarrez. Puis je suis sûr que ça va vous mener là, vers une super belle aventure. Puis l'entrepreneuriat, c'est trippant en soi. On apprend à chaque jour. On est tout le temps dans un mode de nouveauté, de découverte. Il n'y a pas de redondance. Oui, c'est demandant, mais je pense que ce qu'on reçoit en échange pour tous les efforts qu'on met, c'est incroyable. On trippe, puis en plus de tout ça, bon, on va finir avec moins de déchets, puis ça me fait tripper personnellement, puis je vous souhaite vraiment de prendre votre courage puis de foncer. Merci beaucoup, Samuel. Oui, Myriam, tu as quelque chose à rajouter? Ben j'aimerais ajouter tout simplement que si les gens sont un peu comme moi, puis peut-être que vous vous retrouvez aussi, chers panélistes, là-dedans. Mais l'entrepreneuriat, finalement, j'ai l'impression que c'est aussi pour les personnes qui aiment apprendre en faisant. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est comme ça. J'ai dans le fond, dans tout mon parcours en design, il fallait vraiment fabriquer les choses avec nos mains. Puis l'entrepreneuriat, ben, c'est qu'on fabrique notre entreprise hein, d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment apprendre en faisant. Puis je trouve que c'est une approche que
si vous êtes habitué à ça, si c'est quelque chose qui vous attire, bien, encore plus, foncez encore plus. Merci beaucoup. Donc, on aurait une dernière question avant de passer aux questions des participants. Donc, un petit rappel pour les participants, c'est le temps de lancer vos questions sur le chat. Donc, ma dernière question, donc, on sait quand même qu'il y a encore une très grande partie des entreprises qui sont basées vraiment sur le modèle traditionnel, donc qui ont pour objectif le profit. Donc, si le désir de changement de culture, il venait pas du dirigeant, mais plutôt des employés, je suis certain qu'il doit y avoir des gens dans les participants qui se reconnaissent là-dedans. Est-ce que vous auriez des arguments que ces employés-là pourraient présenter à leur employeur pour améliorer l'impact de la compagnie? Est-ce que vous auriez un plan de match pour eux, disons? Donc, est-ce que quelqu'un voudrait commencer, Samuel? Moi, je pense honnêtement que la première étape, parlez-en avec vos collègues, voyez qu'est-ce que vous, vous pouvez faire déjà à l'interne, puis déjà ça, ça va mobiliser les troupes, puis vous allez déjà être capable d'avoir un impact dans la réduction de déchets. Ça peut se passer à la cafétéria, tout le monde, on décide d'utiliser nos gourdes réutilisables plutôt que les jetables, ou s'assurer, hey, on cotise-tu pour acheter un terreau puis faire notre propre compost à la compagnie. Je pense que ça, déjà là, ça va commencer à mobiliser. Puis sinon, ben, pour la suite, je pense que Myriam va pouvoir ajouter. Oui, ben en fait, j'avais un exemple vraiment concret de tout ce que tu viens de dire, Samuel. C'est vraiment une expérience que j'ai personnellement vécue, dans le fond, dans un milieu de travail très plutôt protocolaire, là. En fait, j'ai déjà travaillé dans une banque. Donc, milieu où il y a beaucoup d'éléments, disons, je dirais pas que ce soit contraint les activités, mais c'est que le type de travail qui est à faire, en fait, c'est comme sans arrêt, fait qu'il n'y a pas nécessairement tout le temps du temps pour avoir des idées comme ça. Puis, j'étais au début de mon parcours en design, donc même pas encore en éco-conception, mais bon, la fibre environnementale, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, depuis toujours même. Puis ça me chicotait un petit peu on avait encore beaucoup d'imprimants, en fait, donc on imprimait beaucoup, beaucoup de papier. Je faisais de la vérification là, de documents. Puis ça me crevait le cœur vraiment là, de jeter ces papiers-là qui restaient vraiment dans l'entreprise. Là. Dans le fond, on les recyclait là, de la bonne façon, ça, c'était pas le problème. Mais je me disais, avant de les recycler, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Fait que j'en ai parlé autour de moi, puis en fait, j'avais pas vraiment de réceptivité de mes collègues. Je pense que ça les a surpris un peu que je me dise qu'on puisse faire quelque chose d'autre. C'est comme, mais pas nécessairement penser à ça ou il n'y avait pas eu le temps d'y penser. Fait qu'en fait, j'ai pris mon courage à deux mains puis je suis allée voir ma directrice puis j'ai demandé si je pouvais le faire. Donc, des fois aussi, c'est juste de prendre son courage à deux mains puis de le demander. Fait que ces feuilles-là, finalement, sont devenues des pads sur lesquels on prenait des notes parce qu'on avait beaucoup d'appels à faire avec la clientèle. Puis ces pads-là, finalement, ils se retrouvaient après ça au recyclage. Mais au moins, l'endo, là, c'est ça qu'on utilisait. Donc, puis en fait, après ça, tout le département les utilisait. Puis j'avais des piles très, très hautes sur mon bureau. Là, je faisais, on avait fini par m'allouer un petit 15 minutes, là, dans le fond, par 3 ou 4 jours là, pour que je puisse continuer à les faire. J'ai des collègues qui se sont rassemblés. Puis pas longtemps après ça, en fait, j'ai reçu une belle... en fait, un appel d'un des grands boss pour me remercier pour mon initiative. Fait qu'en fait, ce qu'il faut penser aussi, c'est que le patron d'entreprise sont super contents souvent des initiatives comme toutes simples comme celle-là, auxquelles eux non plus n'ont pas le temps de penser. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter là, à aller juste sonder, tâter le terrain. Ça implique rien. La pire des choses qu'on va vous dire, c'est tout simplement non. Puis après ça, c'est de réessayer avec d'autres choses, puis sinon de se remettre à plusieurs pour faire la proposition. Merci beaucoup. Oui, donc on a Marianne qui se joint à nous.
Ben oui, j'ai cru comprendre que c'était le moment des questions des citoyens. Puis ça tombe bien parce que j'ai plusieurs questions pour vous, chers panélistes. D'abord, ben, je trouve ça super. Merci, c'est vraiment très, très intéressant. Puis je trouve ça vraiment super, Myriam, l'exemple que tu as donné. Puis j'ai envie de partager un commentaire que Liane a fait où elle mentionne ceci. J'admire la jeunesse d'aujourd'hui pour leur implication, leur volonté de s'impliquer, d'améliorer le monde. Je suis vraiment fière de cette belle jeunesse. Bravo, vous êtes vraiment et tellement inspirant. Donc voilà, fait que, merci. Qu'on soit des fleurs, c'est le fun de recevoir. Puis là, il n'y avait pas de pot, alors j'en ai profité. peut-être une question un peu générale pour vous, en fait, justement de Liane, et en lien avec cette jeunesse. Elle mentionne que les jeunes sont pratiquement acquis dans cette conquête. Comment allez-vous rejoindre les autres groupes d'âge, autant pour y adhérer que pour s'impliquer? Il y a toujours une certaine réticence au changement. Puis Myriam, peut-être, là, tu mentionnais justement cette espèce de réticence ou cette indifférence de tes collègues dans l'exemple que tu as donné tantôt, mais des fois, justement, pour rejoindre peut-être une clientèle un peu plus âgée, ça peut relever son lot de défis. Donc, comment allez-vous vous y prendre ou comment prévoyez-vous vous y prendre pour convaincre d'autres groupes d'âge, en fait, à emboîter le pas comme vous? Parce que, comme Liane le mentionne, elle dit car il faut les convaincre et c'est souvent un gros défi. Donc, c'est le commentaire de Liane. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. À vous. J'aurais un point pour démarrer là-dessus. Je pense que c'est important, quand on fait un projet éco-responsable, de ne pas oublier que ton projet n'est pas juste éco-responsable. T'sais, nous, par exemple, on fait un applicateur de déo. Il faut qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit simple. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'hyper compliqué puis que ça change les habitudes des gens du tout au tout parce qu'ils ne seront pas nécessairement prêts à faire ces sacrifices-là. Donc, pour nous, c'était de réussir quand même à garder un objet qui est super beau, que tu as envie d'avoir chez toi. C'est pas parce qu'il est éco-responsable qu'il doit pas être super beau et pas fonctionnel. Donc, nous, c'est de garder quelque chose qui reste attrayant, qui reste le fun. Tu as envie d'avoir un applicateur climat. Moi, je l'ai, je jette plus de déchets, puis je trippe quand je mets du déo. J'ai jamais trippé quand je mettais du déo avant. C'est vraiment, tu sais, c'est ça qui vient, tu sais, c'est l'essence. Puis c'est aussi d'être capable de transmettre aux gens que tes valeurs, puis comment tu y crois. Puis je pense qu'une passion, c'est contagieux. Puis quand les gens ils vont sur nos plateformes, mais j'espère qu'on a réussi à transmettre cette passion-là. Peu importe si à la base, ton but, c'était de réduire tes déchets ou juste de trouver un déo, je pense qu'il faut que c'est ça, nos produits répondent bien à leur fonction primaire, qui est, dans notre cas, d'avoir du super bon déo de qualité. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait envie de rebondir sur ce que Samuel... Puis là, je m'excuse, je n'ai pas vu si vous m'avez fait un signe, mais est-ce que vous aviez envie de rebondir? Je passe à la prochaine question. Je peux dire quelque chose là-dessus? Oui. Je pense que c'est d'inspirer par l'exemple. Je pense que ça vient toujours de quelque part pourquoi on a une nouvelle habitude. Donc, de donner voix à ces gens-là, justement, donc, de ma part, c'est via les blogs, d'interviewer des propriétaires d'entreprises, d'où que ça vient leur désir d'avoir parti de leur entreprise. Donc, d'en parler, bien, les gens, bien, ils se rendent compte que, bon, ça vient de quelque part, ça, puis ils sont comme informés sur ces sujets-là. Puis, par l'exemple, je donne un exemple, c'est que moi, supposons, quand je vais faire l'épicerie, j'apporte toujours mon sac, mon propre sac, donc ça fait au moins 10 ans que je n'ai même pas utilisé de sac de plastique, c'est vraiment quelque chose, j'ai toujours un sac quelque part, puis donc, j'apporte ce sac-là, je le montre, mais les gens qui me voient l'utiliser, bien, je pense que je donne un certain exemple aux gens qui me voient, donc je pense que c'est vraiment... Ça apporte beaucoup de donner exemple et d'en parler des bienfaits. Qu'est-ce que ça a transformé dans la vie de ces gens-là, d'avoir changé leurs habitudes? Donc, voilà. Ouais. C'est un bon exemple que tu donnes, Sarah. J'ai déjà engagé justement la conversation avec des personnes qui étaient d'une génération plus sage que moi, qui justement se posait des questions justement sur pourquoi j'en ai mon sac d'épicerie, entre autres, réutilisable. Puis effectivement, ça d'engager le discours comme ça, des fois, c'est une bonne solution, effectivement. Il y a Myriam qui voulait aussi réagir à la question. Oui, je peux peut-être juste rajouter rapidement, là, j'avais juste une idée comme ça qui m'est passée par l'esprit. Bien,
en fait, deux, je pense que peut s'ajouter à ça l'idée de juste s'entourer de gens de différentes générations, finalement, d'une diversité de personnes, tout simplement, de s'ouvrir à ça en tant que jeunesse aussi, tu sais, pour que ces échanges-là puissent finalement être accessibles, être disponibles. Puis l'autre chose aussi, ben en tout cas, c'est quelque chose que nous, on a pour inciter les gens à prendre le chemin du changement qu'on souhaite proposer. Il y a l'idée aussi de rendre ça facile, tout simplement. Je pense que, comme je répète un peu ce que je disais au début, mais on n'a pas besoin d'un élément de plus sur nos épaules, une charge de plus. Puis c'est vraiment d'aborder le changement avec la douceur, tout simplement. Je pense que ça va rallier les voix, là. Je pense que c'est des stratégies c'est une stratégie qui convient à toutes les générations. Et devenir comme ça universel, oui, effectivement. Merci beaucoup, Myriam. Hey, j'ai des questions pour vous qui sont un peu plus techniques ou du moins qui sont spécifiques à chacun des projets. Puis là, j'ai comme envie de vous bombarder de ces questions-là. Tiens, je commence avec toi, Amélie. Amélie, t'as un petit peu. Est-ce que Alternative aura une zone de produits vegan qu'on pourra retrouver ensuite sur le site de Mon Québec Vegan proposé par Sarah? Ben oui, bien sûr. On n'est pas une épicerie qui est exclusivement végane, mais on est une épicerie végétarienne, donc on ne vendra pas de viande, de fruits de mer. Mais oui, là, on a plein de beaux produits véganes, de petits producteurs locaux là, qu'on va mettre de l'avant. Donc certainement, moi, c'est mon plan là, de contacter Sarah pour qu'on puisse on puisse s'afficher sur son site. Là. Oui, on va avoir plein d'options végétaliennes très intéressantes. Bon, ben parfait. Alors, Alexandre aurait trouvé réponse à sa question. Merci beaucoup, Amélie. Une question pour Myriam qui vient de Josiane. Est-ce que ce sera possible de faire réparer un objet à la mine urbaine? Je pense que tu l'as mentionné tantôt, de suivre des ateliers pour apprendre à réparer des choses aussi. Je pense que ça faisait partie de vos plans. Exactement, oui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Là? Quand est-ce que vous ouvrez, là, qu'on puisse aller faire ça? OK, je vais répondre à la question en premier. Puis ensuite, peut-être, si on a le temps, j'aborderai la suite. En fait, oui, à la mine urbaine, en fond, on a un espace qui va être la matériothèque où on peut s'approvisionner en matériaux. Donc, citoyens, entreprises, travailleurs autonomes, OBNL peuvent venir là, s'approvisionner chez nous. Là, évidemment, le matériel coûte ce que ça coûtera, là, finalement. Puis, on a aussi, dans le fond, une autre section où c'est un atelier avec des plateaux de travail, dont des plateaux qui sont accessibles aux citoyens, qui peuvent tout simplement venir réparer son grille-pain, le faire réparer aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps nécessairement ou qui tout simplement n'a pas l'intérêt de le faire par soi-même, mais est très content de le faire par quelqu'un d'autre. Donc oui, tout ça, c'est possible. Puis dans le fond, l'idée, c'est aussi de développer dans le fond des formations maison qui peuvent donner des astuces de réparation à faire à la maison. Puis aussi, dans le fond, des ateliers plus spécialisés là, où vraiment là, on va rassembler des citoyens, dans le fond, qui ont peut-être une problématique qui est commune. Si par exemple, vous êtes 13 à avoir un toaster à réparer, bien, ça se peut qu'on fasse un atelier toaster, réparation de toaster. Donc, ce genre d'exemple-là, oui, c'est prévu à la mine urbaine. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va être implanté parce qu'on est encore en phase de pré-démarrage. Je ne peux pas vraiment m'avancer sur les dates, là, mais ça va s'en venir dans les deux prochaines années, disons. L'ouverture. Okay. Parce que ça, c'est beaucoup de choses à mettre en place quand même. Là. Donc, oui, disons ça comme ça. On l'espère moins. Oui, on l'espère moins. C'est ça. Oh oui, on a besoin de vous. Oui, j'ai hâte, moi. Ben oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Samuel. Je vais me garder une petite question pour plus tard pour toi, Myriam. Tu sais, Samuel, justement, je voulais te partager quelque chose justement qu'un de nos participants mentionnait, Charles, où tu disais tout à l'heure, là, j'espère que je vais être bonne justement pour recadrer, où tu disais combien c'était important
que la forme juridique, du moins, n'était pas importante. L'important, c'était d'avoir un impact positif puis de travailler en lien avec sa mission. Puis ben, Charles disait, c'est tellement vrai ce qu'il dit, l'important, c'est vraiment d'avoir un impact positif. Alors, il voulait faire du pouce sur ce que tu as mentionné et on ne peut qu'être d'accord. Let's donc, go, Charles! Yes! Puis là, ben, j'imagine qu'il n'y a pas moyen hein, de savoir ça va être quoi le prochain produit extraordinaire que Kima va porter. Ben oui, il y a un moyen super facile. Oui? Allez nous suivre sur Facebook, Instagram, de m'ajouter sur LinkedIn, de vous inscrire à l'infolettre, puis vous allez avoir toutes nos super nouvelles. Puis j'ai tellement hâte de vous le dire, là. Oh, zut, moi qui cherchais à aller chercher encore plus d'exclusivité. ça s'en vient. On va commencer par livrer nos déos partout, puis après ça, on va annoncer nos prochains produits. Puis c'est justement livrer les déos, c'est attendu pour quand, ça? Pour juin. Ça s'en vient, là. Oui, on a vraiment hâte. Excellent. On a bien hâte de pouvoir découvrir ça. Puis là, j'imagine que vous avez déjà parlé avec Alternative. Là. C'est déjà fait, là, la rencontre. Ouais, le mariage est fait, là. Le contrat est signé, tout. Là. Parfait. Question pour Sarah. Il existe des initiatives vraiment intéressantes telles que la tasse, entre autres, et d'autres projets comme ça, justement, de contenants pour apporter, mais qui sont consignés. Est-ce que vous prévoyez répertorier ou avoir un indicatif spécial pour les restaurateurs ou commerces qui offrent des options véganes, mais qui encouragent ce type d'initiative-là pour pousser un petit peu plus loin côté écolo? Oui, certainement. Puis c'est déjà une sphère des recherches qu'on peut trouver là, sur le site Internet. Donc, on peut aussi trouver des épiceries en vrac, des épiceries zéro déchet, des entreprises zéro déchet en général. Donc, il y a plusieurs balises qu'on dit. En anglais, on dit tags. Donc, les gens peuvent aller chercher spécifiquement là, différents sujets. Puis, on prévoit intégrer plus en plus de sujets possibles. Donc, non seulement des commerces, mais aussi des marques. Que les gens vont pouvoir trouver et d'aller cibler dans quel point de vente qu'ils vont pouvoir aller trouver ces marques spécifiques-là de produits qu'ils veulent trouver. Donc, c'est une recherche quand même qui est assez accrue, très longue aussi, d'aller chercher toutes les entreprises, d'aller séparer ça en différents sujets. Mais on a une équipe qui s'occupe de ça, puis certainement, là, c'est grandissant, là. Donc, à tous les jours, on trouve des nouveaux commerces. Il y en a tellement. Puis ça, à tous les jours, ça grandit. Il y en a toujours une nouvelle. Il y a toujours des nouvelles idées. Donc, on veut établir ça, mais surtout faciliter la recherche de ces différents sujets-là. Si quelqu'un mange sans gluten, c'est où qu'il va pouvoir aller? Donc, il habite à Sutton. Donc, il va aller pouvoir vraiment indiquer toutes ces informations-là, puis aller trouver les commerces qui vont pouvoir subvenir à ces recherches. Donc, ça prend du temps, mais ça se développe là, tous les jours. Wow. C'est un travail colossal quand même. Bravo, c'est vraiment une super belle initiative. On a une question d'Alexandre qui demandait, puis là, c'est pour vous tous, est-ce que vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval? Est-ce que vous sentez que vous êtes chez vous, en fait, en tant qu'entreprise éco-responsable? Est-ce que vous sentez que vous êtes chez vous dans le monde commercial traditionnel? Les guillemets sont de lui. Je ne sais pas qui a envie de se lancer en premier. Là. Ouvrez le micro, allez-y. Vas-y, Samuel. Pour y aller, toutes nos entreprises, on a besoin de fournisseurs, comme toutes les compagnies. On a des besoins légaux, on a des besoins comme n'importe quelle entreprise. T'sais. On n'est pas une bibitte à part. Je pense qu'on a notre place comme n'importe quelle. Puis l'entraide se fait comme avec toutes les autres entreprises. J'ai participé justement hier avec la Jeune Chambre des commerces à un concours de pitch qui était vraiment extraordinaire. Il y a plein de beaux écosystèmes comme ça, puis définitivement, la réponse, c'est oui. Puis ce qui est dommage un peu en ce moment, bien, c'est la situation du COVID là, qui limite beaucoup les super activités que ces organismes le font. Mais comme Laval en transition le démontre, on peut très bien se débrouiller en ligne. Donc, je pense que la réponse, c'est oui, Alexandre. Super. Je ne sais pas, Sarah, Myriam, Amélie, est-ce que vous avez envie de faire du pouce là-dessus?
Myriam? Mais, je vais me lancer, mais en fait, pour notre part, dans le fond, à cause de notre situation actuellement, comme on est encore tôt, ben, c'est sûr qu'on n'est pas, pas encore affilié, on n'est pas encore inscrit ou quoi que ce soit, mais c'est certain que, ben, comme on disait, ben, il faut prendre part à notre grand écosystème. Est-ce qu'on se sent chez nous avec les formats plutôt traditionnels de la chambre de commerce? Je dirais que ça va être à découvrir. Mais on est super ouvert. Il faut juste voir si eux sont aussi autant ouverts. Là, mais Samuel semble dire que oui. Oui, mais tu peux rajouter. Je sais que, en tout cas, dans notre cas, c'est très intéressant. La Chambre de commerce a un programme Prox Commerce, donc pour soutenir vraiment le commerce de proximité. Donc, oui, on est un organisme à but non lucratif, on a une mission environnementale forte. Mais avant tout, on est aussi une entreprise là, marchande. Donc oui, moi, je trouve qu'on fit très bien dans cet écosystème-là. Puis ils peuvent nous apporter beaucoup aussi. Là, donc oui, c'est pas à ne pas négliger là, dans notre parcours. C'est vrai que maintenant que tu parles de Prox, je pense qu'il y a aussi, Myriam, un programme qui s'intéresse justement, Symbiose, qui s'intéresse justement à l'économie circulaire aussi avec la Chambre de commerce. Hein? Oui, Symbiose Laval, exactement, c'est ça. Ah oui, bien en fait, dès qu'on parle d'écosystème, je pense que c'est facile d'envisager, là, de saisir là, que c'est important là, de s'inscrire dans cette mouvance-là. Oui, donc brièvement, c'est ça, c'est quelque chose qu'on vise dans le futur, nous. Et je pense qu'il s'adapte bien à la transition et aux nouvelles réalités. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Et autant eux peuvent nous apporter que nous aussi, je crois qu'on peut leur apporter en apportant des nouvelles idées et en partageant nos valeurs, notre vision des choses. Oui, tout à fait. De toute façon, tout le monde va devoir prendre le chemin pour être davantage éco-responsable. Alors, aussi bien se baser aussi sur des exemples tels que vous, qui sont très inspirants. Autre question pour vous, que vous soyez dans le virtuel ou dans le produit physique, est-ce que vous allez chercher à compenser vos émissions de gaz à effet de serre? Et si oui, comment? Je ne sais pas qui voudrait se lancer en premier. Oui. Hein? Vas-y, Amélie. Ensuite, ce sera Myriam. Oui, oui, bien, c'est sûr que, si j'en ai parlé brièvement tantôt, on a le désir de devenir une entreprise carbone neutre. Donc, c'est quand même assez complexe pour une épicerie. Là. On a suivi une formation avec justement Loco, qui est une épicerie zéro déchet à Montréal, qui donne une formation sur comment devenir une épicerie carbone neutre. Donc, il y a plein d'étapes à suivre. C'est complexe, mais c'est dans nos plans là, pour être toujours cohérent, là, le mot d'ordre. Puis, oui, Myriam. Oui, bien, dans le fond, pour notre part, en fait, comme on s'intéresse aussi à créer une nouvelle filière pour dévier de l'enfouissement énormément de déchets, bien, en soi, finalement, c'est sûr qu'on on contribue à diminuer l'impact environnemental carrément de la société dans laquelle on se trouve, du territoire même. On contribue à éviter les déversements illégaux, les feux de sites d'enfouissement, tous ces genres d'impacts négatifs que peut avoir finalement un traitement des déchets ben, qui peut être amélioré finalement. Puis par ailleurs aussi, c'était vraiment important pour nous pour tout ce qui est nos plateformes en ligne. C'est pas quelque chose qui est présentement en place, mais on a des bons questionnements sur l'emplacement des serveurs qui vont emmagasiner l'information qu'on va contenir, parce que on veut avoir une matériothèque récupératèque physique, mais on en veut aussi une virtuelle pour donner accès rapide en ligne à ces matériaux-là. Donc, on peut penser donc à une grande base de données où, doit être finalement accueillie par des serveurs. Puis, dans le fond, c'est sûr que
quand on pense à des éléments comme une symbiose industrielle, on peut très bien penser que les serveurs vont créer de la chaleur et cette chaleur-là, nous, on peut la récupérer dans l'enceinte de nos installations. Fait que c'est sûr qu'on veut vraiment faire en sorte que nos installations aussi puissent, encore une fois, prendre des éléments sortants comme ça, comme intrants pour soutenir ces activités. Des bonnes pistes. Samuel? Oui, de notre côté... OK, parfait. De notre côté, dans le fond, déjà à la base, tu sais, notre solution réduit massivement le CO2 généré par l'industrie traditionnelle, mais on voit plus loin que ça. Pour nous, on a un peu, comme Amélie, l'intention d'être carboneutre. On regarde en ce moment... tu voulais un scoop tantôt, on regarde en ce moment, on va annoncer bientôt notre projet, ça s'appelle Les forêts Kiima. Donc, on va faire de la plantation d'arbres. On recherche actuellement des terrains, si possible, territoire de Laval. C'est très difficile en ce moment de trouver des terrains qui seraient susceptibles à de la plantation. Sinon, ça sera ailleurs. Puis l'intention, ça va être de générer plus d'oxygène pour compenser le CO2 que la production de nos applicateurs vont causer dès le départ. Puis ça, c'est quelque chose qui est au cœur du projet. Ce n'est pas un peut-être un jour si on peut. Là. C'est définitif. Ça fait partie de notre roadmap. On va démarrer les projets de forêt Kiima, puis on va en faire plein. Ça va être des endroits qu'on va pouvoir permettre aux gens aussi d'aller marcher et se promener, puis de ramener la nature. Alors, à bientôt. Si vous connaissez un terrain, il faut contacter Samuel. Excellent. De ton côté, Sarah, est-ce que tu voulais faire du pouce? Oui, mais certainement. Mais nous, bien sûr, on est en ligne, mais disons, on le fait à travers les commerces qu'on présente. Donc, ces commerces-là adoptent toutes des habitudes qui contribuent à la diminution des gaz à effet de serre. Donc, on le fait à travers le filtrage de l'information. Donc, les gens, quand ils vont chercher de l'information, ils vont trouver que des commerces qui contribuent à cette diminution-là. Puis aussi, en allant voir de l'information sur le sujet aussi, grâce à nos articles, à nos infolettes, puis on compte dans le futur aussi développer des fiches nutritionnelles ou des fiches informatives sur le sujet aussi. Donc, comment leurs habitudes vont contribuer à cette diminution-là. Donc, on le fait à travers l'information et la présentation de ces commerces-là. Super. J'ai deux autres petites questions pour vous. La première s'adresserait à Myriam. Alors, Josiane demande, la Ville de Laval vient distribuer des nouvelles poubelles grand format pour le ramassage mécanisé. Est-ce que la mine urbaine aurait des idées de comment transformer nos vieilles poubelles en quelque chose d'utile? Hey, je te lance ça, là. Vas-y, c'est une conception super live. Ça dépend comment on voit ce problème-là, parce que en fait, ça va dépendre du matériau duquel est composée la poubelle. Puis en fonction de ce matériau-là, on peut penser à une panoplie d'avenues. On ne va pas penser aux mêmes avenues si on a une poubelle qui est entièrement en plastique, monomatière, là, donc vraiment un type de plastique, ou si on a une poubelle où il y a plusieurs types de plastique, ou si c'est un mélange de métaux, plastique, ou en tout cas, c'est une poubelle c'est en métal. Mais pour ce qui est des poubelles en plastique, tout simplement la mettre dans le bac de recyclage si vous n'en voulez plus. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Elle va être recyclée, tout simplement. Donc, c'est possible. La poubelle en métal, c'est la même chose. Sinon, bien, il y a déjà des recycleurs, finalement, qui sillonnent les rues ou en fait, qui viennent récupérer les métaux. Donc, ça, c'est des instances qui sont déjà en place. Après ça, dans le fond... pour ce qui est des poubelles, c'est une question qui est un petit peu piège pour nous parce que finalement, elles sont souvent là, d'une seule matière, puis il y a déjà des alternatives pour les recycler. Mais sinon, à la maison, des petites choses qu'on peut faire facilement, c'est qu'on peut les utiliser comme réservoir d'eau de pluie, par exemple, après ça, pour aller arroser les plantes sur le terrain. C'est des astuces qui sont quand même assez faciles à faire. Il y a une panoplie de petits je connais pas en fait le penchant francophone de ça, mais de do it yourself, faire par soi-même, donc des DIY qu'on appelle. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller voir pour faire maison, mais sinon les alternatives locales sont quand même présentes. Puis là dans le fond
Josiane ne précisait pas, j'imagine, si c'était un bac noir ou un bac vert ou un bac bleu. Non. Non. C'est exactement sur le genre de sujet sur lequel on va se pencher. On peut très bien s'imaginer qu'à la mine, on peut à travers ce qu'on va récolter comme gros objet, comme une poubelle. Dans le fond, c'est le fait d'en avoir beaucoup qui va nous permettre de réfléchir à des nouvelles solutions. Puis c'est comme ça qu'on procède. Des fois, on procède avec le matériau même, puis des fois, on va regarder la forme de l'objet. Peut-être qu'elle incite à un autre usage en particulier. Super. Merci beaucoup, Myriam. C'était pas mal sur le fly. Merci de t'être prêtée au jeu. Puis, j'ai une autre question finalement qui a émergé justement pour Amélie. Pour le magasin Zéro Déchet, quelqu'un qui se présente sans contenant, est-ce que vous pouvez les dépanner? Puis, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un contenant mais qui ne semble pas être en état, comment on gère la salubrité à ce moment-là? Pour la première question, on va avoir des contenants consignés aussi sur place. Donc, si les gens n'ont pas apporté suffisamment de contenants ou ils les ont oubliés, ils passent devant, ils veulent venir acheter quelque chose en particulier, ils vont pouvoir utiliser nos contenants consignés puis le ramener la prochaine fois à l'épicerie. En dernier recours, on va avoir quelques sacs aussi qui sont compostables en papier brun. Donc, c'est vraiment un dernier recours là, pour ces gens-là. Ensuite, c'est certain qu'au niveau de la salubrité, c'est primordial pour nous. Là. Donc, les clients doivent apporter des contenants qui sont propres. Donc, on se donne le droit de refuser des contenants des clients s'ils ne sont pas propres. Donc, c'est notre façon pour nous de bien s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination, tout ça. Mais aussi, même en magasin, tous les instruments pour se servir vont être à usage unique, dans le sens que toutes les pelles pour la farine, par exemple, après ça, vont être déposées dans un contenant sale, vont être nettoyées, assainies avant d'être utilisées. Donc, c'est pas une pelle qui reste toujours pour le même produit qui est utilisé client après client. Là. Donc, c'est vraiment des instruments à usage unique. Donc, c'est comme ça qu'on évite aussi la contamination. Là. Si jamais quelqu'un avait, par exemple, un contenant qui était sale, puis avec sa pelle touchée à son contenant, bien, au moins, la pelle va être nettoyée par la suite, donc elle ne retournera pas dans le bac à farine. Alors, voilà. OK, super, c'est intéressant ça aussi. Puis, je viens de voir que Jonathan vient de partager une information concernant les fameuses poubelles. Donc, pour votre poubelle, la Ville de Laval a mis en place des points de dépôt et où les instances municipales vont les récupérer et les apporter directement chez Tricentris pour qu'ils soient recyclés convenablement. Sinon, il y avait l'idée aussi de peut-être transformer nos poubelles en composteurs qui est sorti également dans la zone de chat. Donc voilà, alors... Ben oui, c'est ça complète. Puis je peux ajouter aussi qu'il y a deux éco-centres qui vont bientôt ouvrir leurs portes à Laval. Donc, c'est prévu. Donc, c'est aussi un endroit où on peut s'informer pour aller disposer. Sinon, c'est vraiment clair sur le site de la Ville de Laval comment disposer. Puis, si jamais vous savez vraiment pas, ça, c'est vraiment un truc que je profite de l'occasion pour le dire à tout le monde. Si vous savez pas où aller déposer vos objets, Recyc-Québec a mis en place une plateforme en ligne qui s'appelle « Ça va où? » Et en ligne, avec votre adresse, vous entrez votre code postal et l'objet dont vous voulez vous départir et on vous indique, dans le fond, comment s'en départir. C'est sûr qu'il y a des objets dont il n'y a pas encore d'issue à part le réemploi, c'est-à-dire à part aller le porter dans un centre de... une ressourcerie, par exemple, ou le dépotoir. C'est là où on intervient... ultérieurement, mais c'est vraiment un bon point de départ pour savoir où on va porter nos déchets ou nos objets. Très, très bon point. Merci beaucoup, Myriam. Puis moi, ça complète la partie des questions citoyennes. Alors, à toi, Roxane. Merci, Marianne, et merci beaucoup pour les très belles questions des participants. Et merci pour les réponses, c'était vraiment intéressant et très inspirant. Donc, on arrive à la dernière question, au dernier tour de table pour ce soir. Donc, la question serait, quelles seraient, selon vous, les actions prioritaires pour que Laval fasse partie de la solution, donc fasse partie de la transition? Donc, ici, c'est une question ouverte, on parle d'action municipale ou tant qu'action citoyenne, entreprise pour entreprise. C'est vraiment selon votre inspiration. Donc, on pourrait commencer avec toi, Sarah.
Oui, donc je pense que tout le monde peut mettre la main à la pâte. Donc, qu'on en fasse un peu chacun. Je crois que les municipalités peuvent aider, Laval en tant que tel peut aider à favoriser les gestes de citoyens et aussi les citoyens peuvent faire la différence, donc chacun en adoptant une nouvelle façon de faire les choses va encourager, en fait, s'ils le font, ben on n'a pas le choix de s'adapter, les autres n'ont pas le choix de s'adapter. Aussi, les commerces peuvent aider certainement à offrir des nouvelles options, à offrir une nouvelle façon de faire les choses, mais aussi à faire découvrir leurs produits. Donc, ils peuvent, disons, changer leur façon de faire normalement. Donc, si normalement, comme l'idée d'horizon, on a l'habitude d'acheter tel type d'horizon, même si que maintenant qu'il y a un nouveau choix, ben on peut l'essayer et en même temps contribuer à l'environnement. Donc, c'est génial, je pense, que chacun de mettre la main à la pâte et de faire changer les choses. Génial, merci. Myriam, de ton côté, quelles seraient les actions prioritaires selon toi? Ben en fait, je dirais que en rapport à la fabrication de biens, par exemple, qui sont issus de matières valorisées, je dirais de tout simplement continuer à soutenir, appuyer, financer ces initiatives-là, puis de continuer à contribuer dans le fond, puis à implanter le plan d'action 2019-2024. Qui a comme objectif d'avoir un zéro enfouissement. Donc, je pense que c'est déjà une mesure que la ville, à laquelle la ville adhère, qui fait en sorte qu'elle appuie déjà nos initiatives, là, disons, dans un esprit de moralement. Maintenant, dans des actions concrètes, comme ça, je me dis que ça ne serait pas mauvais d'avoir... une campagne de communication qui met en valeur, dans le fond, les aspects sociaux puis environnementaux, puis qui les vulgarise pour les citoyens. Je pense que c'est un peu un devoir de communication de la ville de mettre du temps là-dessus, tout simplement parce que plus on communique une information, plus, premièrement, elle se rend aux personnes concernées, mais aussi, dans le fond, c'est que d'une certaine façon, on martèle un message, puis de faire cette action-là, c'est important dans le changement de comportement. On ne peut pas tout simplement faire des actions sans les partager. Donc, je pense que tout le travail de communication, de partage autour des initiatives comme les nôtres est vraiment, vraiment important, puis peut vraiment être soutenu par la ville là, à travers, finalement, tous les quartiers, puis toutes les instances. Merci. Amélie, selon toi, quelles seraient les actions prioritaires? Oui, ben j'abonde beaucoup comme Myriam. Je trouve que ça passe par la communication, par la sensibilisation. Il faut que ça prenne le monopole de la discussion, là, toute la lutte au changement climatique. Il faut que ça soit vraiment parlé. Aussi, ben c'est sûr d'encourager les initiatives citoyennes ou même entrepreneuriales là, qui vise ce but-là là, de lutter contre les changements climatiques. Donc, ouais, pour moi, ça allait beaucoup par l'information puis de rendre accessible aux gens toutes les informations qu'on a pour que, tranquillement, les mentalités changent aussi puis qu'on puisse voir des actions concrètes là, chez les citoyens. Merci. Très intéressant. On va terminer avec Samuel. Selon toi, quelles seraient les actions prioritaires? Ben moi, j'aurais une action que je suggérerais à la ville qui n'est pas nécessairement prioritaire, mais que je trouverais vraiment géniale. Ça serait de faire de Laval un lieu de destination pour ces solutions-là innovantes et co-responsables, avec trouver un endroit où on pourrait retrouver une mine urbaine, un Kiima, puis que les gens, les citoyens pourraient tous aller à la même place, puis magasiner du local, magasiner des belles solutions de Laval, puis de faire fleurir ça. Ça, je trouve que ça serait quelque chose de génial, proche du métro, de préférence, si jamais ça vous dit. Puis je pense que, honnêtement, ça serait vraiment cool. Puis sinon, pour ce qui est des citoyens, des fois, si vous avez les mêmes valeurs que nous autres, si ça vous a touché, puis vous avez hâte de voir nos projets, puis qu'il y ait plus de projets comme les nôtres qui apparaissent, ben, nous aider, les entreprises,
Puis ça s'arrête pas aux quatre entreprises d'ici, mais n'importe laquelle, c'est super facile. Des fois, c'est juste partager un post sur Facebook. C'est d'écrire ton ami en commentaire quand tu trouves quelque chose. Souvent, moi-même, je vois des trucs que je trouve super intéressants, puis je passe à la prochaine chose. Mais ces petites actions-là, ça nous aide à nous faire connaître. Même un message, j'ai reçu un message hier puis c'est de quelqu'un qui disait « L'entreprise est super, ça nous a inspiré, tout ça. » C'est des choses qui nous donnent de la motivation, qui nous donnent chaud au cœur. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices qu'est-ce qu'on fait, tout le monde. Puis juste ça, de sentir que on a l'appui des citoyens, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Puis ça va nous motiver, puis ça va motiver bien d'autres startups et d'autres entreprises à se lancer puis à faire des beaux projets. Puis j'y crois honnêtement que d'ici 5 ans, Laval, ça peut vraiment donner une belle destination éco-responsable. Encourageant. Donc, c'est déjà tout pour cette activité. Donc, je tiens à remercier chaleureusement chacun de nos panélistes. Donc, merci Sarah Louis-Jean de Mon Québec Vegan. Merci Amélie Proulx d'Alternative. Merci Samuel Lemire-Dupont de Climat. Et merci à Myriam Desjutras de la Mine Urbaine. Donc, merci également à vous, chers citoyens, qui avez pris part, que ce soit par votre écoute attentive, vos questions, commentaires ou réflexions. Laval en transition ne pourrait aller de l'avant dans ses nombreux projets sans l'engagement des citoyens et citoyennes, de qui proviennent d'ailleurs plusieurs initiatives. Que ce soit en temps, en partage d'expertise ou monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Pour rejoindre la communauté de Lavalloises et Lavallois en transition, pour vous impliquer ou pour contribuer, visitez le site web lavalentransition.org ou rendez-vous sur Facebook à Lavallois en transition. Tous les liens sont collés dans la zone de discussion. Vous seront également envoyés avec le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité. Sinon, nous vous donnons rendez-vous vendredi soir, le 12 mars à 19h pour notre dernière activité de cette première édition d'Effet Transition. Alors que nous entrons dans une année électorale sur la scène municipale, notre panel d'invités s'intéressera aux municipalités de l'avenir. Les renseignements pour vous inscrire à cette activité sont disponibles sur le site effettransition.ca. Le lien vient d'être ajouté dans le chat. Donc, merci beaucoup, Marie-Dame. Je suis Roxane Boisvert. Au plaisir de vous compter parmi nous lors de notre prochaine activité. Bonne soirée.